J'y vais en marchant. Qui commencera? Je m'en occupe. Devant l'ancienne flamme. Nous nous reverrions. Quelle terrible perte. Nous pleurons votre. Pour ceux qui ont péri. Nous prions. Et pour nous-mêmes. Nous disons au revoir. Son esprit nous a quittés. Membres du cercle, rendons-nous à la basse forge pour nous recueillir ensemble. Alors, avez-vous mis la main sur les fragments de Vutrad? Je vais devoir les préparer à nouveau. C'est un honneur pour moi de vous... pour moi de les rapporter. Tenez, voici! Faites attention. Pas augmenter le nombre de fragments. Bien sûr, j'ai un petit service à vous demander. Il y a un autre morceau que Kodlak garde toujours près de lui. Pourriez-vous vous rendre dans ses appartements et me le rapporter? J'ignore si je suis la personne la mieux placée pour fouiller ses affaires. Oh! Bon, on dirait que je n'ai pas le choix. J'apprécie sincèrement. Non, parce que franchement, t'as le vieux papy qui est mort et qui... non, je veux pas te parler, moi. Toi, attendez. C'est quoi ce délire? Attends, ils ont placé les bûches à enflammer sur le grill du... sur les flammes de Forge Ciel. C'est n'importe quoi. C'est... quel est l'intérêt de brûler après? Ça brûle d'office. Y a plus de cérémonie après. Ça, c'est un des trucs qui rend le jeu mais pas réaliste du tout, quoi. Bon, je vais continuer juste un peu parce que... Ouais. C'est triste. Bah, je vais rendre les fragments et ensuite... Bah, je vais chercher le fragment, je vais l'y rendre et puis c'est bon, quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah merde. Alors là je viens. Pourquoi je dis ah merde? Parce que je me dis, pensez un truc. Il faut que je vende tout mon merdier maintenant, parce que sinon je ne vais plus y penser. Mais vraiment quoi. C'est ça, ça me fait chier. Ok, bon bah, je me dépêche de trouver ce fragment de merde et j'y vais. Est-il doué de moi, des doueurs? Voilà. Récupérer le fragment de Kodlak. Donner le dernier fragment à Erlund. Désolé pour cette interlude moisie, mais bon. C'est dur de meubler. Vraiment très dur. Oh, Dibella! J'aime Zumo au maximum. Alors... Ouh, c'est moche. Ah ouais. Là, c'est... Ah oui, j'ai aussi... Ah, j'ai aussi mis un mod. Je me souviens... Là, je viens de me souvenir. J'ai aussi mis un mod qui... améliore la physique de l'eau. Et change certains paysages pour qu'ils deviennent plus beaux. Mais... Genre des... genre des rivières. L'eau est plus belle. La physique de l'eau est plus belle et t'as des. Et les chutes d'eau sont beaucoup plus belles. Ouais, c'est une, donc ça marche. C'est une chute et de l'eau.
Ouais, donc ça marche. Les chutes d'eau sont vraiment plus belles, croyez-moi. Bon, là j'ai pas d'exemple, mais c'est beau. D'ailleurs, je mettrai dans le lien de description l'intégralité de mes mods. C'est une bonne idée. Ouais. Donc là, je donne le dernier fragment à ce mec. Vous voilà. Ouais, allez. Merci. Vos frères d'armes se sont retirés dans la basse forte. Je pense qu'ils vous attendent. Ok, qu'est-ce que ça vendre? Bon, lui, je le déteste parce que lui, il dit toujours ça, quoi. Les dieux soient loués. Oh mon dieu, quelqu'un veut me vendre mon merdier. Veut m'acheter mon merdier. C'est génial, je vais enfin attaquer quelqu'un. C'est limite ça, dans sa... Quand j'entends, quoi, c'est... Ouh, j'ai de l'or. Attendez. Merde. Pourquoi il a pas bugué, hein? Merde. Arrête de pas bugger l'interface. Pour une fois que l'interface bugué, c'est cool. Là, tu l'es pas. Voilà. Bon, ensuite, il manque quoi vendre? Ah oui. Cache de siège, je m'en fous. De fer, j'ai les en peau. Raffiné. Ok. Il va me falloir un lingot d'acier. Ce que j'ai. Non, valeur 4. C'est deux trucs ont une valeur de 4. Ah merde, il n'y a pas de... De talonnage. Attendez. Mais putain, mais c'est pour des armes ça uniquement. Putain. Oh non, je suis bloqué. Pourquoi vous me dévisagez comme ça? Là je suis bloqué mon pote. Voilà, je suis bloqué. Merde, il n'y a pas de... Elle est nulle cette forge, j'ai pas établi ni de truc pour talonner du cuir. Comme genre du grenier. Comme Dragon Slayer. Ah ouais, j'adore cette vidéo. Ouais, c'est vraiment plus beau quoi, j'avoue. C'est... J'ai des articles de qualité ici, si ça vous intéresse. Et encore plus à l'intérieur. Eh, je peux prendre les lingots, ouais. Merde. J'ai pas ça, moi, je veux ça. Ça veut dire que je vais rendre service à petite. R. Ouais. Mon forgeage a augmenté. Attendez. Alors, voyons voir combien ça vaut du cuir. Le cuir vaut 10. C'est rentable. Attendez, si un cuir me donne 4... Ouais. Attends, me dis pas que j'ai... Oh non, ça corrige les bugs d'interface, fait chier. Ça c'est... Bon, c'est un... C'est à la fois bien et nul. Non, je m'en fous. Je m'en fous de ton père. Tenu, qu'est-ce qui me reste? Bah non, moi j'ai tout vendu. Peau de chevreuil, ça me sert à rien. Le bord de cuir, ouh, crochet, lingot d'acier.
niveau d'argent. Temps 3 et 1. N'oubliez pas d'aller. Moi je vais faire Merde, je me suis embrouillé dans mon interface. Normalement je peux faire des... Ouais, ça vaut plus cher. Allez, level up. Putain, ça... De tous les bugs qu'il fallait pas qu'il corrige, fallait que ce soit celui-là. Bon, je suis désolé. Bon, ça c'est une tactique pour augmenter son forgeage, c'est de faire des dagues de fer. Mais vraiment. Voilà. Là j'augmente un peu mon forgeage. Bon, c'est une technique. Pourquoi j'ai l'impression d'être plus... N'y pensez même pas. Bah. Oh, ça avait bugué. C'est bugué. Jetez un œil. Non, toi tu vas jeter un œil sur mes... de faire. Bon, désolé, je pensais pas que ce bug serait réglé, ce qui rend le truc affreusement chiant. Je raconte pas que j'aurai 10 000 dagues dans mon inventaire. Bon, c'est fait. Allons voir ce compagnon et ensuite ouais. Normalement, ouais, ce sera une dernière petite cinématique. Ou, je sais pas, ouais, je fais ça, ensuite je vais chercher les liens, ensuite, je vous jure que c'est fini. Vraiment. La réunion stratégique, très importante, et ensuite c'est vraiment fini. Je vous jure. D'être un loup-garou en ville casse. C'est très bien pour vous, mais il voulait être propre. Il voulait rencontrer Isgramor et connaître la gloire de Sovngarde. Tout cela lui a été pris. Et vous l'avez vengé. Kodlak n'aimait pas la vengeance. Non, Farkas, et ce n'est pas le sujet. Nous devrions rendre honneur à Kodlak, quelle que soit notre opinion sur le sang. Vous avez raison. C'est ce qu'il voulait et... Il l'a grandement mérité. Kodlak parlait souvent d'un moyen de purifier son âme, même dans la mort. Vous connaissez les légendes du tombeau d'Isgramor. Là, l'âme des héros répondra à l'appel du fer du Nord. Nous ne pouvons même pas entrer dans le tombeau sans Vutrade. Et elle est en pièces depuis 1000 ans. Et les dragons n'étaient que des légendes. Et les elfes régnaient autrefois sur bord de ciel. Les choses sont ce qu'elles sont. Pas nécessairement ce qu'elle devrait être. La lame est une arme, un outil. Les outils sont faits pour être brisés et réparés. Pardon. Avez-vous réparé la lame ? C'est la première fois que je réunis tous les fragments, grâce à notre frère d'armes ici présent. Ouais. Les flammes d'un héros peuvent reforger ce qui a été brisé. Les flammes de Kodlak feront renaître Vutrade. Aujourd'hui, elles vous emmèneront à sa rencontre une fois de plus. Puisque vous avez rapporté les fragments, je pense que c'est vous qui devriez brandir Vutrade pendant la bataille. Quant à vous autres, préparez le voyage jusqu'au tombeau d'Isgramor, pour Kodlak. Cool. Attendez, je veux juste voir, parce que... Alors, c'est là-dedans normalement... Particulièrement meurtrière contre les elfes. Oh oui. 2000 quand même, hein. C'est pas de la merde. Et bon, 51. Ouais, d'accord, ça. Allez. Juste parce que c'est du fun. On s'équipe de ça.